Well, reading is a good attitude. You have to read all the time. There are so many things you find in a book that you won't be able to find, say, in maybe the book's movie, or you won't be able to find in a classroom. So you have to spend all your time reading. And having libraries in town, and especially in our schools, is extremely important. And I think tomorrow we're going to come back with a report on the importance of having libraries and the fact that these libraries need to be taken care of, and we need to have good librarians. Tout à fait. Et pourquoi pas même évoquer ça prochainement avec le professeur Manyang qui est avec nous aussi. Bonjour, professeur. Bonjour. Très intéressant. Bonjour, Christian. Oui. Bonjour, Séraphine. Bonjour à tous les téléspectateurs. Très intéressant le sujet sur les librairies. Oui, c'est même fondamental parce que si vous lisez très bien le livre du professeur Ebenezer Ndjomolé, De la médiocrité à l'excellence, là-dedans, il y a un paragraphe qui m'a particulièrement marqué parce qu'il dit qu'en Afrique, lorsque les gens ont achevé leurs études, on range les livres soigneusement et on les met dans une malle ou simplement dans une cantine et c'est terminé. Parce que le livre, on le lit à l'école, on le lit à l'université parce qu'on veut avoir un diplôme. Et une fois qu'on est en train de travailler, on se dit c'est terminé. Alors que dans certains pays, dans les grands pays, l'école, la lecture continue tout le long de la vie, parce qu'il faut continuer à lire pour ne pas oublier les connaissances, pour se cultiver, pour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est dit là, ce n'est pas seulement pour le commun des mortels, hein, même au niveau des enseignants. Si vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui ont fini peut-être l'école normale, qui n'ont plus jamais lu un livre, et qui sont devenus des grands responsables de l'école, et qui donc, à un moment donné, ne peuvent pas prendre de bonnes décisions parce que lorsqu'on ne lit pas, on est coupé de l'information et on n'est pas capable d'innover, on n'est pas capable d'inventer. En réalité, la sagesse se puise dans les livres, l'intelligence est fortement soutenue dans les livres. Il y a aussi la vie sociale, il y a Rousseau qui l'a dit. Donc c'est très, très, très important. Ce n'est pas simplement un problème de bibliothèque, c'est aussi un problème de culture parce que moi, je connais des bibliothèques. Par exemple, chez nous, on a une bibliothèque à la délégation régionale des enseignements secondaires qui a plus de... À Bonanjo, il y a une bibliothèque qui a près de 6000 livres. Mais si vous allez dans cette bibliothèque, vous allez vous rendre compte que chaque semaine, vous n'aurez pas 10 personnes. Voilà, là. Et donc, on va donner raison à celui qui avait dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre ça dans le livre. Tout à fait. Allez, le sujet, on va entrer plus amplement la semaine prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup, Séraphine, pour cet intérêt-là. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons poursuivre le sujet que nous avons démarré mardi dernier sur la gratuité de l'école. Voilà. La gratuité de l'école et les paiements des APE. Cette fois, on s'intéresse au secondaire. Mais au secondaire, l'école n'est pas gratuite. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais l'APEE est fortement réclamée et à forte somme. Oui, comme nous avons dit la dernière fois, au primaire, c'est gratuit, l'école primaire publique, hein, faut bien préciser, ce n'est pas l'école primaire privée, c'est l'école primaire publique qui est gratuite. La scolarité. D'après le... Bon, la scolarité, parce qu'il y a les livres, il faut acheter les tenues, etc. Bon, au niveau du secondaire, ce n'est pas gratuit. Là, c'est clair, il faut payer ce qu'on appelle les frais exigibles. Et ces frais exigibles sont clairement définis par le décret numéro 2001-041 du 19 février 2001. Portant organisation des établissements publics et attribution des responsables de l'administration scolaire. Ce décret signé par le président de la République dit clairement que parmi les ressources financières d'un établissement secondaire public, il y a entre autres les contributions exigibles. Et ces contributions exigibles, si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas apporté le document, c'est 7 500 francs au premier cycle et 10 500 au second cycle. Et à ces contributions exigibles, à un moment donné, les gens ont ajouté les frais d'informatique, 5 000 francs, c'est tout. Ça veut dire que lorsque vous donnez 7 500 francs ou 10 500 francs plus 5 000 francs, c'est suffisant. Le reste maintenant, c'est volontairement. Volontairement, vous pouvez donner ou ne pas donner d'après le décret que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais d'où part-on pour réclamer dans les 60 000 francs de frais d'APE aux parents aujourd'hui? Il faut peut-être dire que l'APEE, d'abord, Association des parents d'élèves et enseignants, et, ou bien PTA, Parents and Teachers Association, c'est une association, c'est un partenaire de l'école. C'est-à-dire qu'il y a deux missions. Il y a d'abord une mission pédagogique, c'est-à-dire que
soutenir l'établissement, mm-hmm. soutenir le chef d'établissement dans l'encadrement des élèves. Parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants tout seuls ne peuvent pas encadrer les enfants, puisque les enfants sont d'abord encadrés à la maison par les parents. C'est pour ça qu'on dit souvent que les parents sont les premiers éducateurs. Mm-hmm. Donc ça, c'est le premier rôle de l'APE. Mais on a constaté depuis une certaine période que les gens ont mis l'accent sur le rôle financier de l'APE, ce qui est une grossière déviation. Ça, c'est une déviation. Bon, maintenant, donc, c'est le premier rôle de l'APE, c'est un rôle pédagogique. Maintenant, le deuxième rôle, qui est le rôle financier, qui finalement est prépondérant, c'est qu'en fait, d'après le décret que j'ai évoqué tout à l'heure, signé par le président de la République le 19 février 2001, ce décret dit clairement que les contributions sont volontaires. C'est-à-dire que dans un établissement, c'est comme dans une entreprise. Mm-hmm. Quelqu'un peut se lever un beau matin, il dit, je donne 1 million à STV. Le directeur général, le PDG ne va pas refuser. Mm-hmm. Donc, il y a des dons, il y a des contributions. Il se trouve donc au niveau de l'école, à un moment donné, les gens se sont rendus compte que l'État avait des difficultés, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'État avait des difficultés à construire les salles de classe, parce que les hommes politiques, c'est vrai, puisque même à Yaoundé, les gens le disent, les hommes politiques ont créé des établissements de façon désordonnée. Et c'est un peu comme un parent qui peut, en réalité, encadrer 2 enfants, mais il se retrouve avec 15 ou 30 enfants. Vous voyez, il ne peut plus, en réalité. Donc, l'État, les hommes politiques ont induit l'État du Cameroun en erreur, en créant des établissements. C'est-à-dire, on est dans un village où il faut 2 CS, on crée 10 CS. On est dans un arrondissement, il faut 3 lycées, on crée 50 lycées. Ce que je dis là n'est pas vrai à Douala ou à Yaoundé, puisqu'à Douala et à Yaoundé, il y a plutôt, le nombre est très insuffisant, le nombre d'établissements publics. Ça, c'est dans les zones rurales, dans les villages, etc., etc. Et c'est pour ça que dans ces villages-là et dans ces zones rurales, il y a des lycées qui ont 60 élèves. Vous voyez, lorsque vous avez un lycée qui a 60 élèves, ça fait un gaspillage des ressources de l'État, parce qu'il faut un proviseur, il faut un surveillant général, il faut un censeur, il faut des enseignants et des enseignants de français, d'anglais, etc. Et vous avez donc un enseignant qui se retrouve en train d'enseigner 3 élèves dans une classe. Vous voyez un professeur qui doit prendre 300 000 francs, 200 000 francs ou 300 000 francs par mois, et vous avez 10 dans une classe de 3 élèves. Vous voyez, donc c'est un gaspillage énorme des ressources de l'État. Donc ceux-là qui ont créé des établissements comme ça de façon désordonnée, ils se sont trouvés que l'État n'avait plus assez de moyens pour doter ces établissements en ressources, ressources infrastructurelles, ressources humaines, ressources matérielles, etc. Et les gens se sont donc dit, mais on fait donc comment? Comme l'État ne peut plus, que les parents mettent la main à la poche. Et c'est donc à ce niveau où l'APE est donc, est donc passé de sa mission pédagogique à une mission financière. Bon, pour chuter donc sur cet aspect, il faut rapidement dire que d'après le décret 2001, lorsqu'on parle de contributions volontaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes un homme d'affaires ou bien un homme politique ou une élite, vous pouvez décider de donner 2 salles de classe dans un établissement. Les dotations, oui. Voilà, vous pouvez donner ça, c'est un don volontaire ou une contribution. Maintenant, les parents aussi peuvent se retrouver, c'est-à-dire qu'il y a un projet d'1 million. Il y a 1000 parents dans un établissement et les parents se retrouvent et disent que bon voilà, nous voulons construire un forage ou nous voulons faire telle chose dans l'établissement pour nos enfants. Ça va faire 1 million. Nous sommes 1000, nous divisons par 1 million par 1000, ça fait 1000 francs, tout simplement. Donc c'est ça l'esprit du décret. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui s'assiedent quelque part et disent que les parents doivent donner 20 000, les parents doivent donner 30 000, mais c'est les parents eux-mêmes qui se retrouvent et disent que comme nous voulons faire tel projet qui coûte 1 million, nous sommes 1000. 1 million divisé par 1000, ça fait 1000. Ils font un bureau et c'est ça l'esprit du décret. Malheureusement, donc, ce n'est pas ça qui est appliqué sur le terrain. Justement, sur le terrain, on se retrouve avec une association des parents d'élèves dont le président parfois est, je ne sais pas, quelqu'un qui est proche du chef d'établissement, et qui réclame des sommes faramineuses aux parents. Moi, j'ai le problème avec les sommes faramineuses parce que beaucoup de parents se plaignent de ça. Aujourd'hui, moi, j'ai emprunté un taxi la semaine dernière où le taximan me disait qu'il a 65 000 francs de frais d'APE. Bon, lorsque vous parlez de sommes... enfants, il en a 2, je crois, dans le même lycée. Oui. Vous parlez de sommes faramineuses et je précise que vous n'avez pas lu le document que j'ai apporté. Vous ne l'avez pas lu. Mm-hmm. Donc, ce document qui est signé le 25 février 2008 par l'ex-ministre Bapes Bapes, circulaire numéro 07 que tout le monde connaît, en fait, ceux du domaine connaissent, février 2005, 25 février 2008, autant pour moi, 25 février 2008. Le ministre Bapes dit ceci, bien plus, là je prends juste un petit extrait, certains responsables de ces associations n'hésite pas à commettre de nombreuses malversations financières portant parfois sur des sommes colossales. Mm-hmm. Vous avez parlé des sommes faramineuses, sur des sommes colossales, avec la complicité des chefs d'établissement, perdant ainsi de vue la notion de denier public lié à ces fonds
conformant à l'article, etc., etc. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas seulement vous qui avez parlé des sommes faramineuses, même le ministre l'avait déjà décrié, sauf qu'entre 2008 et 2016, nous sommes exactement au même point de départ, parce qu'en 2008, on était dans les 10 000 francs, 10 000 francs ou trop, 15 000 francs en 2008. Aujourd'hui, on est dans les 25, 30, 000. 35 000. Et si vous voulez, comme moi, je suis dans les chiffres parce que je suis mathématicien, aujourd'hui, on est dans les 30 milliards. 30 milliards de francs d'APE au Cameroun, qui n'est pas géré par l'État, qui n'est pas réglementé par une loi, qui n'est pas connu au niveau de l'Assemblée nationale, contrairement au budget, parce que le budget de l'éducation. Donc, ces 30 milliards-là, qui sont gérés dans le noir, qui sont gérés dans l'opacité, qui sont gérés dans l'obscurité, comme le ministre lui-même le reconnaît ici. Et je peux même vous dire une chose, c'est qu'entre 2008 et 2015, chaque année, le ministre Bapès, jusqu'à sa sortie du gouvernement le 2 octobre 2015, chaque année, dénoncer les malversations. Et il a même dit dans une réunion à Yaoundé que, mais quelle est cette histoire où j'arrive dans un établissement, je vois un président d'APEE assis comme un roi, comme un directeur général, alors que le proviseur est dans un petit coin. Mm. Donc il a dit, quelle est cette affaire? Donc en fait, le ministre lui-même s'est inquiété de la chose. Mm. Malheureusement, jusqu'à ce jour, la solution n'a pas été trouvée, parce que justement, il y a des choses qu'il faut faire. Parlons donc de choses qu'il y a à faire. Mmh. Que doit-on faire finalement? Est-ce qu'on ne doit plus payer? Il y a deux choses qu'il faut faire, à mon humble avis. Première chose, c'est qu'il faut clarifier les tests. Parce que il n'y a aucun test qui encadre tout non, ça. Non, il y a contradiction au niveau des tests, parce qu'il y a la loi de 90 sur la liberté d'association. C'est-à-dire, c'est pour ça que les APE sont déclarés, les statuts sont déclarés au niveau de la préfecture, parce que c'est l'administration territoriale. Loi de 90, liberté d'association, vous pouvez créer votre association comme vous voulez. Il y a d'abord cette loi. Maintenant, l'APE est une association spéciale. C'est pour ça qu'il faut une loi spéciale pour gérer les APE, parce que ça se déroule dans un établissement scolaire, ce n'est pas au quartier. Donc, il y a le vide juridique à ce niveau. Maintenant, il y a le décret 2001. Établissement scolaire gouvernemental. Tout à fait. Établissement scolaire public. Voilà, public. Donc, il faut d'abord clarifier les tests. C'est pour ça donc que je sais qu'il y a un forum qui va se tenir. Le ministre a dit qu'il faut mettre de l'ordre dans cette affaire. Le ministre d'enseignement secondaire a dit qu'il ne veut plus ce désordre-là, qu'il ne veut plus cette confusion de rôle. Et c'est pour ça qu'il a prévu qu'on puisse se tenir dans les jours à venir un forum sur les APE. Donc, je pense que c'est très important qu'il y ait ce forum pour clarifier d'abord les tests. Maintenant, après avoir clarifié les tests sur le plan juridique, en permettant aux APE d'être gérés de façon spéciale, parce que ce n'est pas une association comme les associations du quartier, il y a un problème d'hommes. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans nos établissements scolaires, on ait des hommes sérieux, des hommes consciencieux, qui mettent l'école au premier plan de leurs préoccupations. Si cela est le cas, je vous dis qu'il y aura moins de désordre. Et puis, il y a une chose qui n'a pas été dite, c'est qu'il y a une relation étroite entre les APE, le désordre dans les APE sur le plan financier et les effectifs. Je me souviens une fois à Yaoundé, il y a un président d'APE qui a dit, mais monsieur le proviseur, vous n'avez pas de salle de classe, vous avez des enseignants vacataires, vous nous donnez des projets à réaliser. Remplissez les salles de classe. Remplissez les salles de classe. Comme ça, on aura plus d'argent. Et on réalisera les projets. C'est pour ça que quand le ministre a parlé des effectifs, les gens n'ont pas compris qu'en réalité, derrière ces effectifs pléthoriques, se cachait la corruption, le désordre et d'autres choses. Donc, vous voyez donc qu'un établissement peut avoir 2000 élèves. Le président d'APE fait pression sur le proviseur en disant, mais 2000 élèves, pour avoir plus 60 par classe, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ne respectez pas les tests prévus par le ministre. D'accord. Mettez-nous 4000 élèves dans l'établissement, c'est-à-dire 120 par classe, et on aura beaucoup d'argent et on va réaliser tous vos projets. Vous avez donc vu qu'il y a une parfaite relation entre... Or, cet argent, je vous dis que généralement, c'est 40 à 50% par expérience qu'on utilise pour construire les bâtiments. Il y a des bâtiments construits. Hein. D'accord. I think we should take this topic to another day. En attendant le forum, peut-être. Après le forum, on reviendra là-dessus pour les mesures. Merci beaucoup pour ces manières d'être venu ce matin. Séraphine Hélo, on est arrivé au terme de cette question. Yes, it is the end. As for me, I'm going to see you again tomorrow, last day for the week. And hopefully we have one more week to be together before we... to see you again in November. Have a nice day. Bye. On n'en est pas encore là, en tout cas. Une nouvelle semaine. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé ce matin. On se retrouve demain, il sera 7h. N'oubliez pas, les programmes se suivent sur Spectrum Télévision. Bonne journée. Chacha, je m'intéresse au Cameroun. Là, ça fait Cameroun. Non.
gueule de Cameroun. Comme on l'a dit, on va l'invitant. On va Cameroun, y'a basi. D'abli me quoi regarder ma Cameroun, tu fais boulot. Que tu as tendu Cameroun avant? Ma souna, amour, c'est Cameroun. Mais abé, que tu as aussi fait Cameroun, moi.